Bien, comme vous le savez sans doute, la France va accueillir en décembre 2015 la COP21, c'est-à-dire la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Cette COP se tient tous les ans, mais celle de 2015 est particulièrement importante parce que le mandat a été confié à Durban, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de conclure, à l'occasion de cette conférence, pour la première fois, un accord qui soit applicable à tous et dont l'ambition soit compatible avec l'objectif des 2 degrés. Cette présidence, que nous n'exerçons pas encore, on exercera à partir de l'année prochaine, nous l'abordons, comme aime à le dire notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dans un esprit qui est à la fois offensif, collectif et positif. Offensif parce que cet accord de 2015, il doit être ambitieux. Les scientifiques nous le rappellent toujours, de plus en plus. Vous savez que le GIEC, dont le secrétariat est d'ailleurs abrité par l'Organisation mondiale de la météorologie à Genève, le GIEC a rendu son 5e rapport cette année, le premier volume en septembre. Il est en train de discuter du 3e volume. Et ce qu'il nous dit, c'est que si l'on n'agit pas, la température va augmenter sur une tendance de plus de 4 degrés sans doute par rapport à l'âge pré-industriel, avec les conséquences que l'on devine et que l'on connaît en matière de risque d'inondation, de sécurité, de déplacement de population. Donc il faut agir, donc il faut être ambitieux, donc il faut être offensif. On veut aussi être collectif, parce que ce n'est évidemment pas la présidence elle seule qui va régler ce problème. Donc on va travailler avec les présidences intermédiaires, notamment le Pérou, qui accueillera une COP à la fin de l'année, avec l'ensemble des pays, avec le secrétaire général des Nations Unies, qui organise un sommet sur le climat en septembre, et qui sera un moment important. Et l'objectif de tous ces contacts et de cette mobilisation politique qui est en France le fait du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Écologie, c'est que vraiment les chefs d'État et de gouvernement se mobilisent et donnent des instructions à leurs négociateurs de conclure un accord ambitieux en décembre à Paris. Et troisième point positif, et il est très important pour nous de changer le récit sur le climat, qui est beaucoup trop un récit de partage du fardeau. Ce qu'on veut montrer, d'une part, c'est que la transition écologique, elle a déjà commencé, du fait des gouvernements, des États, des entreprises, des collectivités locales, que beaucoup d'initiatives sont prises par tous ces acteurs qui vont dans le sens de la transition vers l'économie bas carbone. Donc ces initiatives, on veut les montrer à l'occasion du sommet du secrétaire général et on veut les montrer à l'occasion de la COP de Paris. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes et l'état d'esprit dans lequel je suis venu à Genève. Il y a à Genève beaucoup d'organisations internationales qui sont concernées par la lutte contre le changement climatique et j'ai rencontré leurs responsables, l'Organisation mondiale de la météorologie que j'ai déjà mentionnée, qui abrite le secrétaire du GIEC et qui est un des acteurs, sinon l'acteur le plus important, s'agissant de la dimension scientifique de la lutte contre le changement climatique. L'Organisation mondiale de la santé, puisque évidemment le changement climatique aura aussi des conséquences en matière de santé. Et quand je parle de changement climatique, c'est différent de la pollution atmosphérique qui, on le sait, a un impact. Mais l'une et l'autre, le changement climatique et la pollution atmosphérique, ont souvent la même origine. Et l'OMS est donc totalement mobilisée pour intégrer ces conséquences du changement climatique dans la santé, dans son programme. La troisième organisation que j'ai rencontrée, c'est l'Organisation internationale des migrations, puisque le changement climatique, à cause des inondations, à cause de la montée des eaux, à cause de son impact sur la sécurité alimentaire et sur l'économie, va avoir un impact sur le déplacement des populations. Et donc, il est important que l'OIM, comme c'est le cas, soit impliqué. Je rencontrerai également le PNUE et je m'adresserai cet après-midi au réseau des missions à Genève et à des représentants de la société civile. Voilà dans quel état d'esprit je suis allé à Genève et dans quel état d'esprit nous préparons cette COP21.